Salut à tous les gars, c'est Vinsky. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série qu'on fait avec Unibet, à la rencontre de plusieurs clubs amateurs qui font partie du programme Au cœur du football organisé par Unibet. Ils aident 300 clubs en France à les équiper. Vous pouvez le voir juste derrière moi avec l'équipe qui nous accueille aujourd'hui. C'est le LC BO Football. Je vais vous présenter un peu les joueurs qui vont affronter les deux joueurs du Vinsky FC qui sont Raïm et Shems aujourd'hui. Donc on a Brendan qui est dans les buts. J'ai appris les prénoms très rapidement, mais normalement c'est Gabin latéral, c'est ça? Exactement. Donc Gabin qui va essayer de marquer le maximum de buts aujourd'hui. On a Arthur. Arthur c'est le DC, c'est le défenseur central, le patron. Costaud. Le costaud, voilà. On a JB qui est apparemment le numéro 10. J'ai l'impression que c'est un peu le mec, je sais pas. C'est qui le meilleur frappeur ici? Où est-ce qu'il est le meilleur frappeur? Avec toute honnêteté. Alors par contre, ici, il n'y a pas de. On n'a pas besoin d'être humble. À fond. Vous dites que je suis le meilleur, il n'y a pas de problème. Ah bah c'est archi moi. Ouais, bah, voilà, voilà, c'est ça qu'on veut. Et on a, pour commencer la vidéo, le président du club, Cédric Garnier. Bonjour, enchanté. On a 350 licenciés qui couvrent toutes les catégories du football, à savoir des seniors, des vétérans, mais aussi une équipe féminine de jeunes. Une particularité qui me tient vraiment à cœur ici, c'est qu'on a une équipe de sport partagé. D'accord. Avec une équipe d'handicapés qui joue tous les jeudis soirs, etc. Et pour nous, c'est des vraies valeurs du football pour tous, tu sais. Okay. Où à l'époque, on mettait deux sacs par terre et on joue au football. Vous avez trois équipes seniors. Trois équipes seniors. C'est R2, R3, D2. Tout à fait, c'est ça. Et d'ailleurs, je ne l'ai même pas dit, mais à chaque fois, on est toujours monté en niveau. Et là, c'est niveau régional 2. On n'a perdu qu'une seule fois pour l'instant, effectivement. Donc là, c'est la quatrième vidéo. On va se rattraper. Attention, ouais, pas ce soir. On est là pour. Alors, franchement, on est venu en toute amitié, mais il y a un moment, dès que ça part. C'est jeu. Ah ouais, j'en ai plus rien à faire. Trouver des filles, comme d'habitude, c'est les frappes arrêtées ou alors en mouvement, bref c'est des frappes libres en fait, hein. C'est en dehors de surface tout simplement. Un but c'est un point les gars. Ah, tu sens comment? Les frappes c'est Shems va venir et directement on va marquer son impact. Mais, alors, de fait, voilà. Depuis tout à l'heure, à l'échauffement, dans les vestiaires, on fait une pression à Shems. Je sais pas s'il va assumer. Il a 20 ans. Non, ça va le faire. On va assumer, on va assumer. Ah oui d'accord. C'est une belle frappe, on sent que c'est sec. Droitier, droitier, Arthur aussi. Non parce qu'il connaît pas ses pieds, c'est pour ça. Raïm qui est connu pour ses enroulés, magnifique. Magnifique. Un maillot dans le short, généralement c'est une grosse frappe. Ah oui. Seb, zéro pression, que du fun. Hein. Ouais, il fallait que je fasse après ça. Quand il a pas son élastique, il n'y arrive pas. Bien joué, bel échauffement. Ah. Quand il tire, il y a des petites vibrations dans l'air, on ressent un peu. Alors, regarde la finesse des cheveux bien soyeux. C'est soyeux, regarde, c'est comme la balle. Tu vois, c'est vraiment, c'est soyeux. Oui, go. Pas ici, Brandon. Yes! Oh, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, c'est ce que j'aime. Ah ouais. Ah ouais, mais ça c'est la technique de défenseur, ça. Ah, ça pousse plus la balle? Y'a plus besoin. Ah non. Ok. Oh, le il est premier parpaing de la soirée. Merci, Shems. Shems, en fait, faut plus jamais que tu ramènes ton bandeau. En fait, c'est peut-être ça le truc. Bah, jouer ça. Les rouges, là, j'ai mis un triplé, faudrait peut-être se réveiller quand même. Attends, c'est toi qui as mis les 3 buts? Ah oui, quand même. Enfin, c'est pour ça qu'on m'a rappelé pour la vidéo. Bien joué, la main posée. Très bel arrêt, Brandon. Magnifique, bon, on prend du sérieux. Moi, pour moi, il y a un vrai problème en Normandie, c'est que les buts sont un petit peu trop bas. Retente, oh, il nous a surpris. Oh, wow. Il est grand, puissant, frappe, bonne frappe. Et ça veut dire quoi sur les autres, ça? On va au fond de ta pensée. C'est une carte informe. Ah, d'accord. Une carte informe. On vient de dire qu'il n'y a que lui qui sert à quelque chose. Hein. Moi, je l'aurais mal pris. Gabin avait une super enroulée. Arrête. Bien joué, monsieur. Oh là là, il n'y a plus de suspense. Le poteau. Que c'est dommage, il n'y a plus de suspense. Bon, on a gagné du coup le premier défi. C'est bien joué. Maintenant, c'est le deuxième. C'est les centres reprises. Alors, règle très importante, s'il y a des buts en une touche, et souvent ça fait la grosse diff dans les défis, c'est 5 points. C'est énormissime. Et un but avec contrôle frappe, c'est 1 point. Bien sûr, t'as le droit de contrôler, etc. Mais ça va pas prendre 3 millions d'années. Ça va vraiment être dans l'enchaînement comme dans un match. Tu vois ce que je veux dire? Qui est le plus fort en reprise de volée? Bah là, je crois qu'ils vont arrêter de dire parce que tout à l'heure, ils ont dit. Ah, JB, mais portez l'œil là. Portez l'œil. C'est parti pour le premier passage, Arthur et Gabin centre pour JB. Let's go. Oui, 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 voilà, voilà, là on commence. Voilà. Oh, c'est là, je la compte. Mais c'est qu'un point. Pourquoi?
Bah elle a fait un rebond. Ouais, ça c'est bon. Ça fait un point parce que la balle a touché le sol avant. Ça fait deux points en tout pour JB. Ça c'est pas mal. Oh, ah oui, c'est lui entre les jambes en plus. Il a des stratégies bizarres en Normandie. Ouais. Il demande à l'ailier de centrer derrière le but. Il est pas mal du tout ce centre. Oh là là, Lucane quasiment. Du coup, ça fait 12 points. 5 plus 5 plus 2. Bravo. Très très beau but le dernier. Magnifique. Alors toi, mets-toi un peu plus loin de moi, je vais casser une caméra un jour. Tu vois, t'es là. Tu me gênes. Double contrôle de la poitrine. J'ai plus de thorax. Points. Raïm, oh oui, elle est magnifique celle-ci. Super chef. Oh mais je lui mets que dessus. C'est pas dans mon ADN, j'ai dit. C'est pas dans mon ADN. Du coup, ça fait 16-12. Mais rien n'est joué parce qu'il y a encore beaucoup de passages. Maintenant, Arthur de passer. Juste Arthur, toi, des fois, tu montes sur les corners, les têtes, tout ça, t'aimes bien. Toujours à zéro but cette saison sur corner, mais on joue bien. Oh oui, magnifique. Oh, oh oui, en plus avec de la finesse. Alors là, ça j'aime bien. Ça c'est mon ADN comme j'ai dit tout à l'heure, ça j'aime bien. J'aime bien quand il y a de la fantaisie. La tête, oui. On va y aller. Ah, elle est bien, oui. Elle est bien coupée. Franchement, les petites têtes comme ça compte 5, ça me frustre un peu, je le dis. que ça, ça vaille autant que ma lucarne juste avant, il y a un petit truc en moi, ça me fait un peu mal. Oh là, bien joué la parade. Oh là là, et là tu peux me faire un salto. Ce but il est incroyable, je crois qu'on a rarement vu un but aussi fou dans la série. C'est à moi maintenant, ça y est, c'est à moi maintenant. Il reste encore des centres. Non, c'est à moi, c'est bon. À 27 pour eux, 16 pour nous, ok. Donc vraiment là, si tu marques très peu, ça va être compliqué. Vraiment, tu veux pas de pression, hein. Attends, remets bien tes cheveux. Ok, c'est bon, celle-là, elle est dedans. Elle est magnifique, celle-ci. L'équilibre était parfait. Oh, bien joué l'arrêt. Bien joué. Fais-toi plaisir mon enfant. Pas mal, là, dommage. C'est pas du gant. Dédicace à tous les attaquants de France. Il y a un point d'écart. J'espère que ce sera de taille. Oh oui. Oh là 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 là. Un beau pied en opposition comme j'aime bien. Bien sûr, passage de rail à faire. Le contrôle qu'il a fait. Hey, il est bien, hein. Allez, Gabin, allez. Quel arrêt. Petit centre pour Gabin. 90e minute. Oui, Gabin, c'est cadré. Et là, hey. Oh oui, 5 points. Donne tout. Quel arrêt. C'est pour Lilian. C'est pour le club, ça, Gabin. Hey, Lilian, il ne bouge pas alors que... Lilian, tu fais des caméras. En plus, ça va plus. C'est dedans. 37-26. C'est maintenant à Reim, dernier passage. Ça me rappelle exactement le même scénario de la première vidéo, je crois. Où, ouais, sur les reprises, il faut que j'y aille, faut que je montre. C'est moi un peu le représentant, il faut que je montre, que je prouve. Tu vois. Et à un moment, ma mère, elle m'attend. Elle regarde toutes les vidéos. Je peux pas la décevoir. Ah, ça veut déstabiliser. J'ai vu qu'il commençait à s'approcher. Il s'approche de ouf. Alors, fais attention. Mais, je crois qu'Arthur, il veut te voler la vedette. Oui, j'ai remarqué. Arthur, il a mis un beau but. Mais attends, je mets deux. C'est lui qui va repartir. En fait, avec je mets deux petits buts tranquilles et après, je lui montre que je suis plus cocasse que lui. Ah oui. Voilà, ça c'est mon chef. C'est très beau aussi. Quel arrêt de Brandon. Laisse-le passer.
Oh oui, quel arrêt. Attention, s'il ne marque pas celui-ci, c'est perdu. Ah, ah c'est loupé. C'est loupé, c'est des bons centres. 37-36, ça s'est joué à un point. Non mais là, je serre la main pas parce que c'est coupé ou quoi que ce soit, c'est vraiment gentil. Tu vois, je suis content, ils ont eu une demi-heure de plus que nous pour tirer, donc c'est, ah, c'est cool. C'est parti, t'as été remise, go, go, go. Ok, c'est maintenant l'appui remise, c'est un peu cardio, vous allez voir, qu'il faut. Souvent on se donne au max et plus vous allez vite, plus vous allez frapper. Mais souvent, en voulant aller trop vite, souvent on fait n'importe quoi. Vaut mieux assurer, mettre des beaux buts, mettre des points, que aller trop vite et rien mettre du tout. 3, 2, 1, c'est parti pour 2 minutes. Allez, c'est parti, des mains qui remet à JB. Faut enchaîner, pas l'heure de temps, Arthur. Oh là, quel arrêt de Brandon. Rien, ça fait un. Sort du pied. Oh, bravo, oh magnifique. Ouais. Ah. Dernière frappe, vous n'aurez pas le temps de plus. Vous avez frappe d'Arthur. Oh. C'est combien, 7? 3, 2, 1, let's go. Brandon, il est vraiment chaud à battre. Il va les écœurer. Il est vraiment chaud à battre, Brandon. Non, c'est moi. Wow. C'est ça qui me fait bugger. Oh là là, wow. Oh non, c'est un truc de... Vas-y, j'ai rarement vu sur YouTube. Pas passé. C'est très très rare ce qui s'est passé. Ouais, très fair play, hein, le truc. Ouais, ça, ça, ça. Ça fait 2, il reste 2 minutes. Oh, il est magnifique, ça fait 3. Mais c'est un truc de ouf, c'est réalisé. Oh mais c'est un truc de malade. C'est la dernière frappe de chaise, quand c'est terminé. En reprise, ce sera incroyable. Et non, ça ne passera pas. Très 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 bien joué. Mais c'est la victoire de l'équipe qui nous accueille, l'équipe à domicile, le LCBO Bretteville-sur-Odon, qui remporte la victoire 2-1. Raïm, et c'est pour ça qu'il aime pas ce défi parce qu'il est très fatigué. En fait, la différence, elle se fait sur le physique à ce niveau-là. Arrête de manger des pizzas. Ouais. Je veux, les gars. Les poteaux sont pas aux normes. C'est un scandale. C'est une victoire du LCBO Foot. Bravo, les gars. Franchement, bravo parce que il y a eu des très beaux buts, notamment le but d'Arthur. Hein. Franchement, faut encore le remettre au ralenti parce qu'il est juste incroyable. Et aussi parce que je sais que c'est quand même un poste ingrat, bravo ouais, gardien, goal, c'est fait des très 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 gros arrêts et toute la vidéo il s'est fait enchaîner et il a vraiment eu des super parades. Franchement bravo, bravo à vous les gars. Merci beaucoup président de nous avoir accueilli. Avec plaisir, merci à vous. Faudra merci juste beaucoup. Vérifier les poteaux, les distances. Moi, pour moi il y a un vrai problème. Non mais c'est que mon avis. Franchement c'est desserré, on a pris du plaisir et puis on s'est laissé emporter. On a gagné dès le début. C'est joué à un point dans les deux premiers défis, t'as vraiment entendu. Ah c'est trop bien. Merci beaucoup du coup de nous avoir accueillis. Merci encore une fois à Unibet d'avoir du coup soutenu cette vidéo. Merci encore pour le programme Au cœur du football, pour aider tous les clubs, notamment comme le vôtre. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et proposez en commentaire des prochains clubs, peut-être votre club, peut-être qu'on pourra venir si vous êtes sponsorisé Unibet. Merci encore les gars, prenez soin merci de vous. À toi. C'était Vince Sky et toute l'équipe. Salut les gars, le foot amateur.